beaucoup les addicts, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui le 20 décembre, donc je suis désolée de poster cette vidéo tard, donc je n'ai pas eu le temps de la filmer dans la journée ou plutôt. Donc là il est déjà 19h passé, bah 19h pile, donc le temps que je fasse le montage, que je fasse la vidéo, parce que je commence juste, donc il faut quand même laisser le temps de faire le montage et tout, donc vous ne l'aurez pas en ligne avant, je sais pas. On verra ça, j'en m'en excuse à l'avance. Aujourd'hui, grosse journée, donc forcément, on n'a pas beaucoup de disponibilité pour faire la vidéo. J'ai des cernes, alors j'ai pas mis mes lunettes, donc je ne vais pas voir tout. Entre midi et deux, j'étais à la mairie faire mes papiers. Hein. J'avais rendez-vous pour faire ma carte d'identité, qui était déjà périmée depuis très très longtemps. Donc, je vais enfin faire une nouvelle carte d'identité, en plus ça, les nouveaux formats, donc format carte de crédit, donc c'est trop cool. Et au moins, bah, si j'ai un contrôle, au moins je serai à jour. Et puis, dans l'après-midi, j'étais voir une copine, après j'ai vu mon fils, donc on a été se balader avec mon fils, et puis voilà, donc ben, j'ai discuté, j'ai perdu du temps, et puis bon, bah, on a une vie à côté aussi. Donc voilà, quand je suis rentrée à la maison, j'avais dans ma boîte aux lettres donc, deux articles que j'ai reçus de la part de mon partenaire dans le concours que je fais sur Instagram. Donc Personnalise Your Flock, donc c'est sa page Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais mettre le lien en descriptif et je vous mettrai son nom de page ici. J'organise, comme je vous ai mis hein, il y a quelques jours hein, dans un blogmas précédent, l'image du post de la vidéo, enfin du post du concours que je fais sur Instagram et uniquement sur Instagram. Par contre, il y aura deux gagnants, donc n'hésitez pas à participer, hein, c'est super. C'est un concours où vous pouvez gagner donc un t-shirt, un tote bag ou une hotte pour les jouets, les cadeaux, ce que vous voulez. Personnalisé, donc c'est vous demandez ce que vous voulez et vous le personnalise à votre gré. Donc moi j'ai reçu deux articles que j'ai demandé qu'ils soient personnalisés. Donc le premier c'est mon t-shirt, donc ma pitounette d'amour avec une petite pitounette, voilà, donc je l'ai mis sur mon soupule hein, parce que quand je suis arrivée ben, je l'ai mis sur mon t-shirt, donc trop cool, trop contente. Et le deuxième article, donc j'ai demandé, il m'a fait un tote bag personnalisé aussi hein, que j'ai voulu, voilà, Paris avec un cœur sur le i et une tour Eiffel parce que je voulais que ça représente Paris avec une tour Eiffel, donc nickel. Donc voilà, donc je suis trop contente, donc je le remercie déjà pour m'avoir offert gracieusement ces deux articles pour être partenaire pour ce concours. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à y aller, je vous mettrai aussi les informations en incrustation, en barre d'infos partout, parce que franchement il mérite à être connu, il n'a pas beaucoup d'abonnés, il commence et tout, et franchement deux articles de votre choix, donc un article chacun, un des gagnants, c'est vraiment généreux de sa part. Et puis c'est bien aussi de faire découvrir des artistes, des artisanaux, enfin de l'artisanat, puisque c'est aussi de l'artisanat, puisque c'est lui qui fait lui-même. Donc franchement, n'hésitez pas en tout cas. Et puis venez sur mon Instagram pour découvrir le concours. Donc c'est Beauty Test Addict, je vous mettrai toutes les informations. Donc voilà. On va commencer la case du jour. Hein, déjà, on n'est pas en avance, donc on ne va pas trop se retarder non plus. Donc aujourd'hui, niveau 20, il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. D'autres moins, mais il y a des trucs sympas. Donc, on va commencer. Je ne sais même pas où j'ai mis mon papier pense-bête. Voilà. Donc, on commence par Goodie Box. Donc c'est un savon au yuzu de la marque TGC 503. C'est un pain de savon 100 grammes. Donc beau format. Donc voilà. Après à tester.
Dans le calendrier de l'Avent Assam Beauty Premium, nous avons donc un traitement à 1% acide hyaluronique, donc un sérum en format pipette, 30 ml. Donc ça c'est cool, moi je l'avais eu en petit et j'avais bien apprécié, donc contente. Dans le calendrier de l'Avent Calista, nous avons un gommage visage de Cacharel. Sur la senteur Yes I Am. Donc ça c'est pour avoir une peau douce et donc c'est enrichi en huile de coco, c'est 50 ml, Soft Skin Face Scrub. Je connaissais les visages, le gel douche dérivé des parfums, mais pas les gommages visage. Donc je vais découvrir. En plus de ça, ça sent trop bon ce parfum. Donc cool. Dans le calendrier de l'Avent, celui-ci c'est Azos. C'est ça, c'est Azos, hein? C'est de la marque Grown Alchemist. Donc c'est une crème pour les mains à la vanille et l'orange et écorce d'orange. Donc très beau format, hein. C'est un gros format de 65 ml. C'est un format tube comme les tubes de gouache en alu. Voilà comment il se présente. Ah oui, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Je suis vanille et écorce d'orange, ça doit sentir trop bon. En plus, ça donne des odeurs de saison, hein, puisque l'orange, tout ce qui est orangé et tout. Hâte, hâte, hâte. Mais bon, j'en ai déjà plein d'ouverts, des grands formats en plus. Donc, j'ai du mal à finir parce que c'est des grands formats. Et puis, il faut les finir avant d'en ouvrir d'autres. Et puis, donc, on va attendre. Dans le calendrier de l'Avent Lancôme, nous avons La vie est belle. En format de poche, hein, spray et tout, 10 ml. Donc ça c'est cool. Puis ça, j'adore ce parfum. Il sent trop trop bon. Et le dérivé, oui, La vie est belle, est trop bon aussi. Il sent trop trop bon aussi. Donc contente. Dans le calendrier de l'Avent Adopt, nous avons. Ah, est-ce que je vais le mettre dans le bon sens? Une eau de parfum Santal envoûtant, 10 ml. Je ne le connais pas celui-là non plus. Mais il sent très très bon. Dans le calendrier de l'Avent Ava Aimée, nous avons un diffuseur donc de parfum avec des bâtonnets dans la gamme Marocco et c'est donc Marrakech. Donc celui-ci, il sent trop trop bon. J'avais acheté le parfum, la bougie et il sent très bon. Dans le calendrier de l'Avent Docteur Pierre Rico, nous avons un vernis à ongles. Là, c'est alors un vernis à ongles aux acides aminés fortifiants. C'est 8 ml si je m'abuse. Non, 5 ml. Mais tous leurs formats sont 5 ml, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus grand que du 5 ml. Mais bon, après, s'ils le disent, comme j'ai dit la dernière fois. Donc c'est cerise noire. Donc voilà. Bon, ça fait un peu penser à celui du All Tiger qu'on a eu hier ou avant-hier. Je ne suis plus dans le Blissim, dans le Beautiful Box. C'est Blissim, je ne l'ai pas pris. Dans le calendrier Mademoiselle Bio, je crois que c'est. Oui. Dans le calendrier de l'Avent. L'Avent. Le calendrier de l'Avent, Sylvie Articule, nous avons de la marque Causelisse. Donc un flacon pompe, un petit format, 40 ml, mais avec une grosse pompe au bout, donc c'est impressionnant. C'est une crème de soins neutre, visage et corps, au lin bio français, pour toute la famille. Donc 99% d'ingrédients d'origine naturelle, zéro parfum. Et c'est adapté aux femmes enceintes et c'est fabrication française. Donc ça peut être pas mal, en plus à Causelisse, j'aime bien leurs produits. Et je le découvre à travers les box, hein, plus bon, l'odeur n'a rien de ouf, mais comme j'ai toujours le nez un peu pris, donc voilà. Donc dans le calendrier de l'Avent de La Mort qui tue, nous avons un format voyage cette fois-ci qui est plutôt raisonnable de 20 ml. C'est la crème riche hydratante peau sèche, donc Aqua Sourcica NutriCream de Biotherm. Donc peau sèche, c'est un petit peu dommage, mais bon, à voir si je le teste ou pas. Après, j'ai beaucoup de crème, donc peut-être que je le testerai pas, on verra. Bon, les pas au calculé, je touche pas, je verrai.
Dans le calendrier de l'Avent Look Fantastic, nous avons de la marque Avent Skincare. C'est un, oui ma chérie, un acide hyaluronique moléculaire boost eye cream. Donc une crème pour les yeux à l'acide hyaluronique. Oui ma chérie, 10 ml. Je crois qu'on l'a déjà eu. Oui, tu veux venir? Oui, viens ma chérie. Donc voilà comment il se présente. Bon, pourquoi pas. Après, les crèmes pour les yeux, moi je suis à fond. Hein, moi, entre les cernes et la fatigue, si ça pouvait me faire quelque chose. Attendez, je récupère Pitounette et je suis à vous. Donc, me revoilà avec Pitounette. Regardez, les deux petites Pitounettes. Laquelle est la plus belle? Bon, la vraie, forcément, puisqu'il n'y a personne qui peut remplacer ma vraie Tounette. Mais, voilà. Tu dis bonjour, Toutoune? Dis bonjour, regarde. Bonjour. Bonjour. Ce qu'elle veut, vous savez ce qu'elle veut? Elle veut du lait, mademoiselle. Elle veut du lait parce que je lui ai donné du lait. Maintenant, elle veut du lait. Eh ben non. Donc, on en était où avant que tu me perturbes? Dans le calendrier de l'Avent Sabon, nous avons un body scrub de la gamme Delicate Jasmine. Donc ça, franchement, leur scrub, ça me donne trop envie. Dans le calendrier de l'Avent Me In Cosmetics, nous avons de la marque Sky Bottle. Donc, je ne connais pas cette marque. White Rain. Donc, c'est une crème pour les mains aussi. C'est parfumé à la bergamote, aux tubéreuses, au honeysuckle et cedarwood. Eh ben, ça promet. Après, dans le calendrier de l'Avent, c'était dans lequel celui-là? Beautiful Box, nous avons de la marque Corem, une gelée démaquillante visage, en même temps, on veuille se démaquiller autre chose, même si on se maquille le corps, mais bon, voilà, on ne le fait pas non plus. C'est exceptionnel, donc vaut mieux que ce soit pour le visage. C'est vraiment extrait de grenade, 99% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est 50 ml. Ça sent trop bon. Donc voilà. Oui, ma chérie. Dans le calendrier de l'Avent Glossy Box, nous avons de la marque Earth Arbor, donc l'Aquaora. C'est une crème réparatrice pour les yeux, format 15 ml. Donc l'année dernière, on avait eu un sérum, si je m'abuse, de la marque Earth Arbor, je crois qu'il était bleu. Ah bah celui-là aussi. Et voilà comment il se présente. Voilà. Et moi, ça m'aidera un petit peu. Je sais pas, je sens un petit peu de menthol. C'est un petit peu frais en tout cas. Il y a du collagène d'algues et du tamaris bleu. Voilà. Dans le calendrier de l'Avent Action, nous avons donc, c'est aux couleurs hein, du calendrier. C'est un Brostalinum Wax, donc un gel pour les sourcils tout simplement, format 6 grammes. Donc je l'ouvre pas, hein, c'est pas pour moi ce genre de produit. Oups. Dans le calendrier de l'Avent Zalando, nous avons de la marque Troina, le 24 heures pen eyeliner en coloris 900. Donc je suppose que c'est une couleur noire, puisque là c'est tout noir. Format 1,2 ml. Et je pense que c'est noir. Enfin, je ne l'ouvre pas parce que je ne voudrais pas qu'il s'assèche. Je regarderai. Et dans le calendrier de l'Avent Me In. Dans le calendrier de l'Avent, je crois que c'est Gloria celui-là. Oui, c'est ça. Moon Face. Donc la marque, c'est Moon Face. Si vous verrez. Là. Ah, c'est chiant avec les quand c'est doré comme ça. Et cette fois-ci, c'est un white eyeliner. Ben, c'est un eyeliner aussi, mais il est blanc. Bon, après, déjà, je ne mets pas de noir. Donc, pourquoi je dis noir? Enfin, bon, après, les goûts, les couleurs. Donc, dans le calendrier de l'Avent My Little Box, nous avons un chouchou effet satiné dans les tons violets. Bon,
un de plus. Dans le calendrier de l'Avent, la boutique du coiffeur, nous avons un joli peigne pailleté. Il est un petit peu rose pâle, transparent, blanc, enfin bon, un petit peu de toutes les couleurs, enfin plusieurs couleurs. De la marque Cœur à soins professionnels, et avec un petit trou au bout qu'on peut, on peut le mettre sur un piqué, un crochet et tout, c'est pas mal. Donc j'aime bien ce genre de peigne, puisque c'est avec des grosses dents pour mes cheveux qui sont épais, et puis pour les boucles, c'est super pratique. Après j'en avais, là j'utilise celui que j'avais acheté chez Jiffy, et j'en avais un vert que j'avais eu dans une Gloria, oui je crois, oui dans une Gloria que j'avais eu et que j'ai donné à mon fils quand j'y suis montée à Paris là quand fin novembre, parce qu'il avait plus de peigne, donc je vais filer le mien. Après moi j'en avais à la maison, donc il n'y a pas de souci. Dans le calendrier de l'Avent, donc Cacao Bombe, je l'ai ouvert avant hein, parce que c'est qu'on gagne du temps, en même temps c'est plus simple. Donc aujourd'hui c'est une boule comme ça. Je vous la fais voir comme ça parce qu'il y a plein de poudre dessus, donc je ne voudrais pas en mettre partout. Et donc aujourd'hui, c'est 20 bombe cacao 64% saveur vin chaud. Ah, ça sent la cannelle, c'est ça. Vin chaud avec du cacao. Au revoir ma tounette. Je suis pas sûre. Bon, c'est un petit peu des mélanges un peu bizarres entre vin chaud et du cacao. La dernière fois, c'était beurre de cacao et de cacao. Bon, on verra. Hein. Dans le calendrier de l'Avent et d'Emilie, donc accord précieux, le vin. Donc, il est comme ça, tout en longueur. Pourquoi pas, ça change. Donc, ça ne sera pas un fondant ni un chauffe-plat. Donc hop, ah bah c'est un spray, donc ça doit être un spray d'intérieur je pense, ou peut-être pour les fringues, les vêtements, ou un spray d'oreiller pour le linge ou quoi que ce soit, je sais pas. Donc il se présente comme ça. Alors c'est en effet un spray parfumé à la cerise amande, solution sans alcool et parfum de grâce 30 ml. Donc regardez-moi comment il est, avec un petit, une petite ficelle, un petit cordon, enfin une ficelle avec un nœud ficelé, voilà on va dire ça comme ça. Un spray, voilà. Alors là c'est ça passe sous sa casse cette odeur, parce que déjà la cerise ça peut être fort et l'amande. En effet c'est une odeur très, on sent bien le, donc ça sera pas pour moi. Mais c'est vraiment deux odeurs qui vont bien ensemble, la cerise et l'amande, ça c'est sûr, il n'y a pas photo. Et puis un spray, c'est vraiment trop trop bien d'avoir ce genre de produit, ça change aussi des fondants. Donc là, franchement très bien. Après, l'odeur, petit peu rien. Donc logiquement, c'est bon sur le plateau, après si j'ai oublié comme d'hab. Hein, on va passer au goût du... Je veux vraiment que ce soit que du goodie box aujourd'hui. Oui, j'ai décidé. Donc, c'est la Degusta Box. Donc, la case 20, donc c'est une bouteille de bière. Donc, c'est la marque Castile, marqué en gros. Et c'est Rubus Framboise 33 centilitres. Et c'est 2,39 € la bouteille. Donc, la bouteille, vous voyez, c'est un petit peu incurvé comme ça. Bière de tradition et savoir-faire belge. La Castile Rubus Framboise écorcée avec une fine mousse perlante. Rose pâle, tandis que les framboises mûres viennent chatouiller l'essence, une note légèrement maltée se dégage du nez. Son goût est un parfait équilibre entre les fruits mûrs et sucrés et une légère amertume. Sa finale fruitée rend cette bière facile à boire, 7 degrés. Donc une bouteille de 33 centilitres par calendrier, disponible en grande et moyenne surface. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et bien, comme la dernière fois, j'inviterai modération pour cette bière. D'ailleurs, il faudra qu'il... Ben, on aura chacun notre bière, puisque j'ai pas bu la dernière. Ça peut... Je pense que celle-ci, si elle n'est pas trop amère, ça peut me convenir, puisque j'aime bien les bières style cerise, framboise, tout ça. Donc pourquoi pas. On verra.
Mais bon, c'est pas encore un truc de ouf. On va passer au swap avec Beverly, donc la case numéro 20. Alors, c'est un pot rond. Ça a l'air d'être un pot avec un couvercle, style pot en verre avec des couvercles. Alors, soit c'est une crème, dans des bouteilles, des pots en verre, c'est possible. Autrement, bah, peut-être une bougie avec un couvercle qui se ferme, je ne sais pas. Je vais faire comme Beverly, bougie, bougie, bougie. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah non. Ah oui, cool. Donc, c'est The Body Shop. Donc, c'est Breathé, ou Breas, je ne sais pas comment on le prononce. C'est Massage Melt. Donc, c'est un gel fondant de massage Eucalyptus et Rosemary. 75 ml. Donc, c'est vegan. Hein, vous connaissez la marque, c'est très bien. C'est très beau. Et c'est en... avec des huiles essentielles, 100% naturelles. Un petit logo de The Body Shop. Et donc, voilà comment il est. Alors là, franchement, trop bien. Alors, pour mon nez, ça, c'est nickel. Ça va bien dégager mon nez et je vais pouvoir m'en mettre sur la poitrine, enfin, ici, là, pour bien dégager et que ça remonte au niveau de mes bronches et tout, enfin, de mon nez. Donc, cool. Et puis, j'aime bien ce genre de produits, justement, je les utilise quand je suis un peu encombrée et tout, que pour justement bien dégager. Ça fait du bien, et puis bah, c'est vrai aussi que c'est pas mal aussi pour quand on a des petites douleurs, pour masser, quand on a un petit peu engourdi et tout, on masse avec et ça fait du bien. Donc contente, 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 merci beaucoup, surtout que moi j'ai pas droit au VIX, j'ai pas le droit à plein de choses, les crèmes aussi pour le massage, je n'ai pas le droit à beaucoup de choses, donc ça c'est super cool, merci beaucoup Beverly, trop contente, merci. Donc logiquement c'est bon pour ma récolte du jour. Donc on va voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc alors quand j'ai ouvert, que j'ai déposé, parce que si vous voulez j'ouvre les cages, je les pose, je les mets. Je regarde pas spécialement ce qu'il y a dedans puisque je veux quand même garder un petit peu de découverte aussi. Je dépose. Et puis j'avais pas vu de choses qui ressortaient, comme si c'était par exemple que du parfum, que du make-up ou plein de make-up et tout. Bon là ça serait vu tout de suite, mais là non. Donc je pense qu'aujourd'hui, enfin arrêtez-moi si je dis des bêtises, hein, après chacun son avis, je dirais odeur, le truc odeur ou mélange d'odeurs et tout, parce qu'on a quand même pas mal de produits avec deux odeurs différentes, comme là on a, ben là c'est grenade. Bon, là, on en a plusieurs. On a bergamote, tubéreuse, honeysuckle et cedar wood. Dans... voilà, enfin, plusieurs. Donc, dans celui-ci, on a... hop, c'est mieux quand on le prend dans le bon sens. Eucalyptus rosemary. Dans celui de Emily, on a cerise amande. Donc, on a quand même pas mal d'odeurs. Après, donc, dans les autres, hein, mais sans avoir 50 000 odeurs, on a délicate jasmine, on a du yuzu, on a de la grenade, on a du coco, on a, bon, bah, dans le parfum, on a donc, pareil, du parfum. Dans l'autre parfum, on a du parfum. Dans le diffuseur avec... de Havaïmé avec les tiges, donc c'est pareil. Donc je pense aujourd'hui que c'est plus odeur. Pareil, même la boule de la bombe de cacao bombe, c'est vin chaud. Donc vin chaud, c'est pas mal d'odeurs différentes, plus le cacao. Donc moi, pour moi, c'est ça le thème. Alors maintenant, savoir celui qui a gagné. Alors c'est compliqué parce que moi, ouais. Alors je vais dire que ça va être quand même un de mes chouchous, La Vie est Belle de Lancôme, puisque c'est quand même entre La Vie est Belle et la Nutrésor, c'est quand même les deux que je préfère, donc voilà, donc ça tombe bien. Et celui que j'aime le moins, ben on va dire que ça sera le gel à sourcils. Bon, les autres, même si j'ai deux eyeliners que j'utiliserai pas, je pense que le gel à sourcils, lui, c'est quand même, voilà.
Coup de cœur, eh ben, ça va aller pour le produit de Beverly parce que là, il n'y a pas photo. Ça tombe en plus de ça nickel, au bon moment et tout. Donc, moi, je peux me shooter à ce produit. Ça ne me gêne pas du tout puisque j'ai trop. J'ai encore le nez pris. Ça me gave, je ne vous dis pas. Et le coup de gueule aujourd'hui, est-ce qu'il y en aura? Il n'y en aura pas? Non, on va pas forcément dire un coup de gueule. Par contre, ils auraient pu mettre le chouchou avec la journée chouchou. J'ai eu mes deux chouchous, comme ça m'en aurait fait trois. J'aime bien avoir le même tout le même jour, tant qu'à faire, comme ça au moins, ça c'est fait. Donc, et puis, ça par contre, c'est risqué la bombe, hein. On verra. Donc voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire si ben, ce qui vous plaît, pas. Enfin bon, comme d'hab, hein. Vous abonner, liker, commenter, enfin tout ce que vous voulez. N'hésitez pas donc à faire le concours sur ma page Instagram pour gagner donc soit un t-shirt que vous aurez demandé à personnaliser. Moi j'ai demandé soit ma pitounette d'amour, mais vous pouvez, ça sera pas ma pitounette d'amour pour vous, hein, parce que c'est la mienne, c'est pas la vôtre. Et puis voilà, en tout cas je suis trop contente d'avoir ce t-shirt et mon tote bag. Mon joli tote bag. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir la chance de gagner quelque chose, un produit comme ça, n'hésitez pas. Donc voilà. Et puis si vous participez pas et que vous avez quand même vous êtes sur mon Instagram, n'hésitez pas à le partager. Peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage qui le verront et qui auront envie d'y participer. Sur ce, bah, je vous fais plein de bisous. Je vais faire le montage très rapidement. Désolée de poster très tard encore une fois. Demain, ça va être plus compliqué. Demain, je vais sûrement faire deux vidéos puisque vendredi, je pourrais pas poster, je pourrais pas faire montage, je pourrais pas faire. Hein. Donc demain, je vais faire sûrement deux vidéos. Je vais essayer de trouver le temps. Au moins, bah, au pire des cas, même si je les fais tard le soir, c'est pas grave. Enfin, la deuxième, au moins celle de vendredi. Mais vendredi, c'est la fête du quartier, donc je ne pourrai vraiment pas le faire. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer le soir, donc. Ça va monopoliser une bonne partie de la fin d'après-midi et de la soirée. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Merci à vous de me suivre. Merci. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. Bisous, à demain.